Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin après 2 semaines d'absence. Pour vous c'est peut-être pas énorme, mais pour moi ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé de vidéos comme ça, face cam dans ma chambre. Toutes les vidéos que vous avez vues avant étaient pré-filmées. Du coup, je reviens vous faire une toute petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais absente, ce qui va se passer sur la chaîne à partir de maintenant, les petits changements qu'il va y avoir concernant mon rythme de vidéo, le type de vidéo que je vais faire, etc. Les vidéos qui vont arriver. Je voulais vous faire un petit quoi de neuf, un petit what's up. Pour que voilà, pour que ce soit clair entre nous, vous compreniez bien comment je veux organiser ma chaîne pour les prochains mois. Donc la première chose, c'est que j'ai été absente pendant un peu moins de 2 semaines, tout simplement parce que ces 2 semaines avant, je vous l'ai dit si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais c'était le bac et voilà, je voulais pas poster de vidéo pendant le bac parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui révisaient et qui n'avaient pas vraiment le temps de regarder des vidéos, ce que je comprends. Quand on révise, on n'a pas besoin de distraction. Enfin, pas besoin de se distraire de ses révisions en regardant des vidéos. Je me suis dit je vais m'abstenir de poster, mais j'étais quand même présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où j'ai posté beaucoup de photos. Et donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je suis partie dans ma famille en fait en Lorraine. Le jeu de mots, oui. Et voilà, je suis partie à Nancy, mais malheureusement on a dû partir une journée plus tôt. Donc à la base je voulais vous faire des daily vlogs, mais comme on est parti plus tôt, du coup j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais vous filmer. Du coup, les prochaines vidéos qui vont arriver, elles vont arriver le 29 et le 30 juin à 18h. Donc ça sera les deux seuls vlogs que j'ai filmés là-bas. Donc voilà, j'ai essayé quand même de vous faire des petits vlogs cool. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai grave aimé les filmer et les monter, ça c'était super cool. Donc ça va arriver donc le 29, donc vendredi et samedi à 18h. Ensuite, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera une playlist du moment parce que je l'ai filmée il y a hyper longtemps et je l'ai toujours pas sortie. D'ailleurs, faut que je termine le montage et je l'ai pas fini, mais en gros, il y aura les vlogs et ensuite il y aura une playlist du moment qui sortira normalement mardi à 18h. Si j'ai terminé le montage, il faut que je le termine. Ensuite, concernant mon rythme de vidéo, donc je vous avais posé des petits sondages sur Twitter pour savoir quel rythme vous voulez que j'adopte. Vous m'avez tous dit que vous préfériez quand j'avais un rythme régulier plutôt que quand je postais quand je voulais. Moi je suis complètement d'accord avec ça. Je suis beaucoup mieux organisée quand j'ai un rythme régulier. Du coup, le rythme que je vais prendre, ça va être au moins une vidéo par semaine, voire deux si vraiment j'en ai d'avance. Donc la vidéo qui sortira normalement sur toutes les semaines, ce sera le samedi à 11h. Donc pourquoi le samedi à 11h? Parce que à part Enjoy Phoenix et quelquefois Mademoiselle X Chloé, il y a presque personne qui poste le samedi. Du coup, pour moi c'est un bon horaire. Et le matin, parce que voilà, pourquoi pas le samedi matin. Moi je trouve ça cool de regarder des vidéos, et puis comme ça le samedi après on est libre de faire ce qu'on veut. Ensuite, si j'ai des vidéos d'avance, donc ça c'est vraiment la vidéo bonus, si j'en ai d'avance ou si j'ai envie de vous publier une vidéo, ce sera le mardi à 18h normalement. Après les horaires peuvent changer, c'est vraiment aléatoire, mais ce sera le mardi. Donc maintenant mes jours de publication, ce sera le mardi et le samedi, sur le samedi, pas sur le mardi. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué. Pourquoi je ne poste pas plus de vidéos par semaine? Tout simplement parce que pendant ce mois-ci, c'est-à-dire pendant le mois de fin juin et début juillet, fin juin et tout le mois de juillet, je vais me concentrer sur le code parce que ça y est, je suis inscrite. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc je vais faire le code à fond. Je vais y aller tous les jours en fait, donc je pourrais pas publier des vidéos tout le temps. Je vais essayer d'en faire au moins une par semaine, et si, comme je vous ai dit, si j'en ai plus, ce sera deux par semaine. Ensuite, je voulais vous dire que il y aura des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne, donc je vais recommencer à parler un peu plus de musique parce que on me l'a demandé en fait dans les commentaires. Je vais refaire un concept que je faisais il y a longtemps, je vais recommencer les Let's Discover. Je vais peut-être un peu changer la manière dont je le faisais, mais j'aime tellement ce format qu'il faut que je le recommence. J'ai plein d'artistes à vous faire découvrir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les Let's Discover, c'est des vidéos où je vous présente des albums, enfin des artistes que pas beaucoup de gens connaissent, et je vous fais découvrir des chansons, des albums, etc. Donc moi je trouve ça toujours super cool de découvrir des artistes et des chansons. Je vais toujours continuer des vidéos lifestyle. N'oubliez pas de me donner des idées de vidéos en commentaire, je prends tout. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Je voulais juste faire un petit update de mes vidéos pour que ce soit
clair pour tout le monde parce que voilà, j'ai fait, j'ai pas été hyper régulière et tout ça. Si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, je les mettrai sur l'écran parce que je vous propose vraiment beaucoup de sondages pour que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les horaires des vidéos, etc. Quand ça vous arrange le plus. J'espère continuer à garder un bon rythme de vidéos, j'espère ne pas lâcher ce rythme. En tout cas, je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre si je lâche un peu le rythme, si j'arrête de publier et tout ça, je vous compte sur vous pour me le dire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.